Laisse tomber, c'est pas... Non, non, me dis pas ça. Non. Un clip, qu'est-ce qui a été clip ? Ouais, non, mais ça me prend la tête, parce qu'après, les gens me disent, ouais, non, machin. Voilà, par exemple, là, le stream va être coupé en je ne sais combien. Voilà. Sérieux. Ça, c'est un truc qui me... Qui me saoule, le changement de qualité. C'est un truc qui me saoule, clairement. Je vous le dis, hein. Non, on peut mettre en 720p 60fps, mais pas... Non. Du coup, on va partir sur 859. Du coup, je sais plus combien vous êtes. Ben non, merci. Qu'est-ce que je peux mettre comme musique ? Je vais mettre de la musique quand même. Est-ce que vous entendez bien la musique ? Au moins. On fait ce qu'on peut, hein, pour le stream. Ouais. C'est qui avec toi ? Léo Collins. Léo Collins, qui est très très sympa. Franchement, j'adore. Très très sympa. Là, j'espère que la fluidité ça va. Et là, c'est pas faute d'avoir essayé pour la qualité. Ah, beaucoup. Voilà. On va faire des tournées jusqu'à je sais pas quelle
plus un item. Ouais. Et ça, il l'a laissé. Voilà. Combien il fait du twerk. On fait ce qu'on peut, hein, franchement. Ouais. Comment ça, j'ai pas 50 bières? Qu'est-ce que tu me dis? Voilà, là on est bon. Et du coup, 3 viewers. Ah, bonne ambiance. Putain. C'est pas comme ça qu'on va avoir le partenariat, les gars. Ah, joli. C'est pas comme ça que je vais taper un temps. Parce que oui, ce serait quand même bien que je sois à plein temps en stream, non? Ce serait quand même mieux. Si j'ai 50 bières, arrête. Hop. Oh, ça va vite quand même le. Le farm ici. Putain, il fait tellement chaud dehors, c'est infâme. C'est infâme. Deux viewers. Ouais, nice. Nice, nice, nice. Ça pour une histoire de qualité quand même. Putain. C'est comme ça, je vais jouer sur Faili toute la semaine mais je pas stream. Hein. Ah, parce que Twitch me permet pas de pouvoir faire quelque chose avec ma communauté. Ça c'est la pire des choses. Je sais pas pourquoi il fait du twerk le camion. Si tu veux plus de beurre, faut pas rester enfermé à l'AMB. Ah non, mais je reste pas enfermé à l'AMB, mais le problème c'est qu'il faut que je chasse au moins quelques petites. Quelques petites tournées et malheureusement ben quand tu fais des tournées t'es obligé de farm. Parce que bon quand je vois des streamers ou des streameuses qui font 100, 200 viewers, voire 1000, 2000, en faisant du putain d'ASMR, je me dis que quand même, Twitch est tombé bien bas. Du fucking ASMR. T'es détruit le camion, quoi. Ça va? Ouais. Oh ouais. Garde, tu te décores des légendes d'une drôle de façon, mais. Ouais, je suis un peu d'exercice. Fais du putain d'ASMR, non? Non, je ne me rabaisserai pas à ça! Non! Jamais de la vie!
Jamais. Ah, me chercher un truc à boire, j'arrive. T'as besoin Ah. d'un truc? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut sur moi, t'inquiète. Par contre, moi, après cette tournée, je Ok, vais ça roule. passer direct chez les dépanneurs et je vais voir si le bar est pas ouvert. Ok, J'essaie pas de de voir s'il n'y a soucis. pas des gens. Fucking ASMR. Hop. Ouais, c'est bon, moi j'ai fini, j'y vais. T'en restes beaucoup, toi? Ah, je suis parti. On va faire cette tournée, puis après on va aller au bar. Puis comme vous le savez, hein, 18h, petite pause. Je te félicite pas. Ah Ah, maintenant j'ai un feu en moins. ouais, t'as surtout fait un 90 degrés derrière quoi. Bah ouais, je me suis tapé contre le poteau. Comment? Me dis pas que tu t'es bouffé quand même le pécor, que j'ai juste un tout petit peu poussé. Ah si. Non mais t'as un camion. T'es dans une putain de petite bagnole. Mais ouais, mais il y avait deux. Ça fait effet ricochet. Oh putain de merde quoi. Tu sais, j'ai vu, hein. Ah, je vais voir. Ah, madame, monsieur, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Monsieur? Bon, le sud, il est en train de dormir. 859. Ouais, c'est ça. Ok, 20 100 de prime, c'est peanuts, mais bon, c'est déjà ça. Bah après, si le bar est ouvert, je te paye un coup à boire. Ah, vendu. Ça me va.
Ok. On va essayer de voir si le bar est ouvert. Tu sais s'il y a d'autres activités en ville ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait du saut en parachute là. À part ça, il y a quoi? Ouais. Bah, il y a du saut en parachute, il y a. Je crois qu'il y a rien. Bah, si, il y a Venetian. Hier, il y avait un. Hier, il y avait du derby. Du Destruction Derby. Ouais. Bah, hier soir, j'ai pas pu venir. C'est juste. Juste comme ça, juste une activité comme ça. Il y avait aussi. Bah, il y a Varvara, justement. Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que... Varvara qui avait organisé une sorte de. Ah, je sais pas comment on peut expliquer ça, un système d'otage avec des tasers. Et puis celui qui arrivait à sauver l'otage, il avait gagné. Ah! Celui qui tuait l'otage, il avait perdu, forcément. Ah, c'était. Ça avait l'air rigolo, mais malheureusement, j'ai pas pu rester en ville. Oh, c'est con ça. Ah, ça devait être sympa. Et c'est qui Ah, ça devait être sympa, tout à fait. c'est qui fait le saut en parachute? Déjà? Attends, faut que je regarde. Je l'ai pas du tout. Crois qu'il y a une pub là sur CNN. Ouais, là, Venetian, donc il y a une pub. Du 7 au 13, semaine du vélo. Eh ouais, mais non, mais ça c'est. Non, mais. C'est un message caché. C'est la semaine de la pédale. C'est un speed dating pour homosexuel. Donc, les contacts. Alors, le contact, c'est Gabriel Derrichter. Ah ouais. Ah ouais, ça y est, ça y est. Non, ça coûte 20 000 dollars! Ah putain! Ah mais rien n'est gratuit dans cette Attends, plus la ville, tu le sais formation bien. d'une demi-heure, donc ça fait 25 000 au total. Et si on prend une location? Donc, d'un Frogger, 50 000. Ah putain! Ah ouais, quand même. Bon, bah, on va voir, hein. Ça fait beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs à ramener, tout ça. Comment ça a ramené? Bah, il demande une visite médicale spéciale. Faut signer une Bah, la décharge. visite médicale, tu l'as déjà. Non, non, faut une visite médicale spéciale pour les sports extrêmes. Attention. Oh, mais y a pas de souci, t'envoies un petit message à Ivan et puis il va nous le faire. Ouais. Ouais, non. Bah. Il va nous. Craig, hein. Ouais, t'as fait. Ah, je sais ce que je vais faire après. Un don du sang, hop. Puis ce sera bon. Comme ça, on va voir si Ivan est là. S'il est là, on va en profiter pour demander pour la visite médicale. Ouais, tu pourrais faire réparer ton camion aussi parce que Ouais, non, non, t'as non. une belle activité. Non, mais c'est ce que je vais faire aussi. Ah, le tien aussi, hein. Ouais, le tien aussi, il a pris tarif, hein. Attends, le ça va, ça Attends, va. pour moi, ton Toi, t'as capot, plus de il... vitres, ça va. Pour moi, ton capot, il est ouvert, hein. Ah, par contre, moi, j'ai toujours mes vitres. Ouais, mais c'est tes yeux. Ah, c'est tes yeux, ouais. Arrête, Ouais, arrête la bah, bière. mes yeux, c'est un peu... sont souvent les mêmes que les mécanos. Attends. Calme-toi, t'as rien fait, elle voulait juste se garer. Ouais, bah vu comment il était garé, il était garé comme ça. Ouais, Ouais, bah ça il dégage. faisait un créneau. Ouais. Il était arrêté, il allait descendre sur sa caméra. Ah bref, c'est pas grave. Puis je l'ai pas tué, hein, c'est bon.
Ouais, mais si ça se trouve, il va se retrouver au même moment chez des dépanneurs avec nous. Il va vouloir te péter avec la loi. Bah, qu'ils viennent. Je l'ai toujours, hein. Ok. J'ai rien dit. Madame, madame, restez pas là, madame! Restez pas là! Madame, madame, partez Ah oh, vite, putain! vite, vite! Ah bah voilà, tu vois, Voilà! cherche la Eh! merde. Non mais j'ai même pas touché sa voiture lui, hein! Hop là! Ouais, heureusement que je l'ai prévenu, hein. Ouais! Quand même voulu me mettre un chassé cet enfoiré. Oh putain! Je sais ce qu'on pourrait faire! Vas-y, raconte. La prochaine fois qu'on est nombreux, on fait une course à celui qui détruit le moins le camion sur une tournée. Ah, c'est peut-être pas mal, ouais. Et celui qui gagne, bah soit il gagne une prime en plus, soit il gagne la tournée complète. Ah, essaie de pas faire ça les 2 prochaines semaines, hein. Ouais, on va voir. Voilà. Bah, faut que je. Ah ouais. Faut que je puisse être là. Ah, bien sûr, bien sûr. Oh, faut faire ça un soir quand il n'y a pas trop les flics. C'est un Merci. coup à perdre son permis, cette connerie, hein, quand même. Oui, non mais attention, quand je dis course, tu peux rouler à 50 comme tu peux rouler à 140. C'est celui qui revient avec au dépôt. On part et on revient au dépôt. C'est celui qui revient au dépôt avec le camion le moins abîmé. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Donc, voilà. Et on prendra quelqu'un, je sais pas, un jury qui a rien à voir avec l'entreprise, et c'est lui qui dira Ouais, quel camion est le moins abîme. Eh bah, un flic, c'est très bien. Ouais, un flic. Allez, on va faire. Ouais, ça peut être pas. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, hein? Ah Ouais, ça peut être pas mal. ouais. Ouais, pas mal, pas mal. Oh, c'est un coup à perdre nos permis quand même, hein, mais bon. Et même Ouais. peut-être se retrouver en Ouais, prison, mais bah bon. ça dépend. Si on fait une course et qu'il y en a un qui roule à 50, il va pas perdre son permis. Certes, il va arriver longtemps après, mais si son camion n'est pas abîmé, il gagne. Ah, j'avoue, j'avoue. À voir, à voir. Ça peut être marrant en Y a fait. pas un truc de prévu là? Ah, je sais pas. Là, en tout cas, à part le cul de Monsieur Glandil sur l'affiche CNN, pas grand-chose. Non. Non, non, non! Je m'écarte parce que généralement ils sont énervés après. Ah mais non, c'est mon camion, putain! Cher. Péché, hein. Ah, ça va, il l'a pas touché beaucoup. Puis c'est pas comme si on passait chez le dépanneur Ouais, juste après. ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Il me reste plus grand chose à vendre là normalement. Je sais pas. Alors 1, 2, Ah, je suis 3, à la fin 4, aussi. 5, 6, 7. Ah, il me reste 8 packs de 12. À 7. Ah, moi, il me reste une grosse palette. Ouais, il me reste ouais, 5 packs de 12 moi. Ah. Mais ici, il est déchargé plus rapidement, c'est Mexicos là. Ouais, bon. Fais avec, hein. Est-ce que le jeu est beau chez vous? Normalement, ça devrait.
Attendez. Ah là, ça fait quand même du bien de prendre le soleil. Ah oh putain, il fait tellement chaud en ce moment. Oh, c'est agréable. Par contre, moi c'est chiant parce que à chaque fois qu'il y a du soleil, je pense qu'on en a. Le bras gauche. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, à force de conduire et d'être à la fenêtre, y a que le bras gauche qui bronze. Ah ouais, pas con. Pas con, pas con. Ah, moi j'ai fini, hein. Ouais, j'en suis à la fin. Eh ben allez, c'est parti pour les dépanneurs. Allez, go. Street. On a des choses à faire. Des choses à faire. Tu te calmes, toi. N'est pas en France, y a pas de priorité à droite. J'ai pas l'air d'avoir grand monde au bar. Hein? Pas l'air d'avoir grand monde au bar. Ouais, je vais. D'ailleurs, je vais essayer d'envoyer un message pour voir si s'il serait pas là. Ouais, je passais devant, mais pas de voiture. Ouais, on peut. Des fois, il se planque derrière, donc. Je passe dans une pompe. C'était chaud. Hein. C'était chaud. Allez, allez, panneur. Eh, bonsoir. Eh, bonsoir. Vous allez bien? Ah, nickel, nickel. Allez, du coup, si. Ils ont un petit peu pris tarif. Oh là. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Il est énervé, le gars. Oh putain. Là, nous, faudrait qu'on revoie où est-ce qu'il où la placer la bonbonne hein, chez nous. Ah, je crois que ça a été revu avec Victor. Parce que bon.
placer n'importe quand. Ah, mais c'est les autres instances qui vont s'en occuper apparemment. Ouais, bah, les services techniques. J'espère bien parce que bon. C'était placé comme des manches à couilles. Ouais, je crois que. Je crois que le patron de la PLS a regardé aussi pour ça de là. Je l'avais croisé avec Monsieur Berlouf. Ouais, ici, ça va. Enfin. Ah, quoique. Quoique. Ouais, enfin, à chaque. Je sais pas, ils auraient pu. Manœuvre, de toute façon, ouais. Ils auraient pu le foutre là-bas, quoi. Ouais, ou au fond. Enfin, je sais pas, après ce qu'ils ont prévu. Ouais, bah après. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va, vous avez du monde aujourd'hui? Pour l'instant, non. Mais ça va, vous êtes tout seul ou? Ouais, je suis tout seul. D'accord, ok. Ouais, on va peut-être. Bon, en tout cas, c'est bien que vous ayez remis les carottes et mire, hein. Bien que vous ayez racheté des. Ouais, c'est pour montrer qu'on est là comme ça. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, mais la dernière fois, j'avais vu monsieur. Gordon, je crois, il m'avait dit qu'il y avait plus de piles dans les plots, donc. Ouais, des fois, alors... il s'illumine pas. Ah, c'est sympa, au moins. On sait tout de suite s'il y a quelqu'un ou pas. Bah, je vais peut-être repasser plus tard parce que généralement quand je sors les bagnoles, j'ai toujours une des vitres qui pète. Alors. Ouais, c'est le garage. Ça souvent difficile. Ouais. Bah, ouais, de toute façon moi quand. Peut-être repasser. En une journée, j'arrive à venir ici 4 ou 5 fois, hein, donc après le camion, le véhicule perso. C'est vraiment du travail de pro. Ah, c'est. Moi je dis, c'est des magiciens. Ils arrivent à te remettre une. C'est des magiciens. Impeccable. Faites ça. Ah, bah super. Ouais, mais parfait. Eh bah super. Bon bah merci beaucoup. Pas de soucis. Alors, du coup, il faut les noms ou pas? Parce que d'habitude, on me le demande tout. Bon, je vais mettre. Je connais monsieur Collins, je vais marquer les deux sur la même opération vu que c'est une entreprise. Ok pas de soucis. Merci. Oui. Eh bah super. Eh bah allez, passez une bonne journée, merci. Impeccable, une bonne journée, bon courage. Allez, zou. Ah, faut que je passe à une station essence. Ouais, je suis passé il y a pas longtemps. Je te retrouve au dépôt. Ouais. Alors, station essence. Il y en a une par là, normalement, si je me trompe pas. Attendez. Si je me trompe pas. Ouais, si je me suis trompé. Allez, avance. Allez, Speedy. On les a vus. Allez, station essence, je connais pas trop. Oui, mute. Voilà. Alors on fait le plein. Du coup, on fait le plein. Après, on va le déposer au dépôt. Ouais, je tourne à droite, gauche. Ouais, ça va, pas trop loin. Bah, du coup, je vais en profiter pour aller prendre une bagnole après, puis
On va voir si le bar est ouvert, sinon je vais aller faire un don du sang. Un don du sang. Puis... Ah, pas de soucis. Je ferme les yeux 2 minutes. Il est réparé, le plein est fait. Parfait. Bon, ok, c'est parti. Attendez. Et je prends la bagnole, je vais revenir ici après. Champion. Ancien, ça raconte quoi les gens? Hop. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ah, je suis revenu. Attends. Garage. Klingrin. Minilion. Ah, c'est reçu. T'es déjà rentré au dépôt ou pas encore? J'arrive avec ma voiture. Ah super. En profiter pour prendre à manger quand même. Ah, tu me déposes quelque part ou on y va à deux? Bah on y va à deux si tu veux. Ouais vas-y. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, on prend des takoyaki. Ah regarde la vitre arrière elle est pétée. Putain, chier. Roger il casse ses couilles. Ah je vois ça ouais. Va falloir que je repasse chez les dépanneurs. C'est ma belle voiture ça. De quoi? C'est une belle voiture. Bah Shafter 2. Elle est bien mais pas très puissante non plus quoi. Ouais t'as mis une petite préparation dessus ou non? Ah rien du tout.
C'est ma seule voiture sur laquelle j'ai fait une couleur d'ailleurs. Du coup, je sais pas s'ils sont là, les médecins, pour le don du sang. On va les voir. Ouais. Bah, vu qu'il y a Spilly qui traîne pas trop loin, j'ai évité de foncer quoi. Ah ouais, je te comprends. Ouais. Ça fait pareil. Ouais, parce que sinon il y a pas de... Ah moi je me serais garé... Pas de place de parking sinon, c'est chiant. Ah moi je me serais garé juste devant. Oh non, la dernière fois je me suis fait emboutir la bagnole. C'est bon. Ah attends, j'arrive. Je savais pas qu'il y a un parking souterrain là. Ouais bah c'est... en fait c'est le... Bah viens voir. C'est ce parking là. C'est juste. Ah, c'est l'extension de celui-là. Voilà. C'est ça. D'accord, ok. Il y a une partie au-dessus. Ok, ok. Ah, malgré tout, je commence à connaître la ville. Ah, mais c'est ce parking là. J'ai l'impression qu'il est assez récent. Mais je l'avais pas en tête. Enfin, en même temps, les parkings, je les connais pas trop. Les dépanneurs, ils préviennent à chaque fois qu'ils sont en ville. Il y avait du monde ce matin. Il y avait du monde ce matin ou pas? Pas du tout, je suis pas passé. Parce qu'il y a Monsieur Vincent. Par contre, j'ai contacté. Ouais, je l'ai contacté. Il a. C'est allé voir hier. Ah ok. Ah, puis si jamais le. Au pire, si jamais le bar est fermé, on fait une commande de vin, de champagne chez le domaine et puis c'est bon. Hein. Pourquoi tu veux commander du vin et du champagne? Moi, je sais pas, on a que de la bière. À un moment, ça fait du bien de changer un peu d'alcool. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de champagne en plus. Bon, je merde. Sais pas, je. La bière, j'aime bien. Bah, j'aime bien aussi, mais. Des fois, elle change un petit peu. Ah. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette voiture. Hey, belle voiture. Ouais. C'est une Elegy, ça, je crois. Ouais, Elegy. Pas du tout. On va voir s'ils sont là. Ouais, ouais. Ah bah tiens, même Ivan. Ah tu vois. Bon, on va essayer de les emmerder tout de suite, on a l'air d'être occupé. Bah oui. Tiens, t'as vu, y a une nouvelle boutique ici. Quoi? Ah ouais, j'avoue. T'as vu, elle est sympa hein. Ah, j'ai acheté des manettes l'autre fois. Ah, c'est sympa. Ah, c'est un peu
peu hors de prix, hein. J'ai payé 1000$ pour deux manettes et un sac. Ah putain. Attends, Celtic Design. Putain, les mugs. Eh bonjour monsieur. Eh bonjour Ivan. Vous êtes intéressé par un petit souvenir, un petit mug, un petit sac, chocolat, des petits vols. Ah bah c'est lui qui m'a présenté la boutique. C'est lui qui m'a montré la boutique. Mais j'en ai eu pour mon compte. Parce qu'on a des petites statuettes par exemple, on a Superstarman là. Voilà. C'est un beau, hein, il est beau Superstarman. Non mais Ivan, je crois que personne n'en veut ton Starman, je sais pas quoi là. Ouais, c'est bien pour les enfants, mais j'ai pas d'enfants donc. Ou des petites barres chocolatées. Vous voulez pas une petite barre chocolatée? Je viens faire un don du sang, donc je sais pas si c'est bon de prendre ça juste avant quoi. Bah, ce sera bon après, hein? On verra. Allez, je vais vous faire le bon don du sang, venez avec moi. D'ailleurs, Ivan, t'as bien reçu du coup le cadeau? Oui. Oui, j'ai reçu le cadeau. Merci beaucoup. Franchement, il fallait pas. Ah, hein. Oh, mais c'est normal. C'est normal. Il fallait pas du tout. Franchement, comme je vous l'ai dit, les gars. Voilà, ça peut aider pour ta petite maison avec ta petite femme, c'est tout bénef. Bah, ça a aidé beaucoup. Hein. Ah, moi, je suis pour rien. Hein. Mais le cœur. Carrier. Le carrier. Ivan, la pépite. Ah oui. Voilà. Ah bah voilà, voilà une bonne nouvelle. Attends. Non mais c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment le boulot du gouvernement de faire une annonce comme ça? Bah écoute, s'ils ont soif. Il faut faire marcher le petit business, c'est ce que j'ai dit. Putain, ouais. Ah ouais, mais bon, c'est à CNN de faire ça normalement, enfin, je sais pas. Bon, qui est le premier? Allez. Ah bah c'est Maurice qui a eu l'idée donc. Allez Maurice, on y va. Je vais chercher le petit matériel, j'arrive. Hein. Ouais. Ah et puis pense à prendre un Marvel Iron Man pour le petit pansement. Ah je sais pas, j'ai regardé le dernier Iron Man il y a deux jours, il est sympa. Iron Man, pas problème, je m'en occupe. Ouais c'était cool. Alors, petit questionnaire, voilà. Donc non, c'est Maurice Permot, hein, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Voilà. Alors, dans les dernières 24 heures, y a-t-il eu consommation de drogue, alcool, produits vaisselle, détergent, poudre à lessiver, essence, kérosène, plutonium? Non, rien de tout ça. Ah, je suis pas Superman, je prends pas du plutonium. D'accord. Négatif. Affirmatif, bien reçu. Bonne chose. Et bonne bourre et beau patron. Et sort couvert. Voilà, pardon. Excuse-moi, radio. Ivan. Alors. À quand le mini Ivan? Du coup. Ah, bah, j'ai déjà le mini Ivan. Le mini Ivan, c'est un beau micro, on verra. T'as déjà le minivan, mais pas le minivan, c'est pas encore tout de suite. Voilà, c'est prévu, mais pas encore. Alors, ah, c'est prévu. Tu me perturbes. Dites, excusez-moi, radio, là, ça vous dérangerait de faire le code privé, la discussion sur le comptoir pour que les gens travaillent? Ça vous dérange pas? Oui, d'accord, merci beaucoup. De rien. Je vous préviens d'elle quand j'aurai terminé, hein, parce que vous voulez. Ça drague sur la radio. D'accord, je me casse sur la radio. Attends, parce que voilà. Putain, c'est joli. Voilà, pardon. Excuse-moi, c'est la radio qui fait n'importe quoi. T'inquiète. Alors, voilà. La question c'était bon, voilà. Dernière semaine, as-tu eu consommation, qu'est-ce que je raconte, moi je suis perdu. Dernière semaine, as-tu eu rapport sexuel non protégé
Avec homme, femme, hamster, chien, chat, cheval, chèvre, zèbre, tigre, rhinocéros, Ah, rien de tout crocodile ça. aussi. Rien de tout ça. D'accord. Que protéger. Pas de. D'accord. Pas moissonneuse-batteuse, pas voiture, pas bateau, rien du tout. Non plus, je suis pas mécanophile. Ni zoophile d'ailleurs. D'accord. D'accord. Hamster, Enfant impossible. peut-être, non? Non plus, je ne suis pas pédophile. D'accord. Cadavre non plus. Hein. Non. C'est D'accord. quoi d'ailleurs pour les cadavres? Je sais Oh. plus. Nécrophile. Nécrophile. Ouais. Ah non, je suis pas nécrophile. Il y a aussi le schtroumpfophile, mais ça c'est difficile à dire pour moi. Je trompe au fil. Ouais. Ouais, non. Oui. C'est pour avoir une couille bleue. Alors, Oh non, parce que quand elle devient bleue, après, on les coupe. Hein. Ah Mais bah bon. oui, on va éviter. Bon, du coup, ouais, rien de tout Alors, ça. d'accord. Pas de traitement médicamenteux tel que psychologique, psychiatrie, pédicure, manucure, coiffure, facture, ce genre de choses. Non plus. D'accord, ok. Bah, écoute, tu peux choisir le bras entre le gauche et le droit. Pas celui du milieu, celui-là, je m'en occupe pas. Ouais, hop, tiens. Celui-là. Bon, je désinfecte avec de l'alcool. Attention, c'est froid. Voilà. Bon. Voilà. Je tapote. Parfait, la veine elle sort bien. C'est parfait, c'est parfait. Et je vais faire le petit prélèvement. Et je pique dans 3, 2, 1. Et je pique. Voilà. Voilà. Désolé, c'est très crispant. Alors, le petit passement. Iron Man, voilà, Ah, s'il impeccable. te plaît. Super, tu gères. Tu as de quoi manger, de quoi boire? Oui, j'ai pris avant de venir. J'y ai pensé pour une fois. D'accord. C'est parfait, c'est parfait. Si tu as petit vertige dans les prochaines 24 heures, ce sera peut-être Je carence offerte. repasse. Que tu repasses. Et voilà, je te donne complément. Impeccable. D'accord? Eh bah super. Oh, attends, je reprends ma veste. Hop, impeccable. Voilà. Et le laisser, mais si tu remercies pour le gros du sac que tu viens de faire. Eh ben, y a pas de quoi, ça peut permettre à sauver des vies. Toujours, toujours, il D'ailleurs, faut. Ivan, j'ai une question. Oui. Pour le saut en parachute, il faut une visite Oui. médicale spéciale, apparemment. Ah bon? Ouais, c'est ce qui est marqué sur leur affiche. Ils disent, il faut une visite médicale D'accord. pour les sports extrêmes. Je sais pas trop, moi. Je dois te dire que les visites médicales formées la semaine passée, les visites médicales entreprises, vu qu'on est en grève administrative, ben, les visites médicales, Itinéris, c'est un petit peu bloqué. itinéris. Ah, pardon. Donc, je Vas-y. disais, on est en grève administrative, Ah. donc les visites médicales, pour l'instant, entreprises, en tout cas, elles sont bloquées. Ok. On fait tous les soins aux personnes, on fait tous les réanimations, ce genre de choses, opérations, mais tout ce qui est administratif, tel que visite médicale, pour l'instant, c'est bloqué. Ok. Donc voilà. Ok. Maintenant, si tu fais un petit papier pour dire que tu es apte à faire le saut parachute, pour moi, tu es apte, et puis c'est bon, Ouais, j'ai vu ta bah pompe, il n'y en a je pas de veux plus. bien. Je veux bien, je veux bien. Ouais, attends, je vais te faire ça. Et bah du coup, je te laisse tranquille avec Léo, du coup, pour Attends. sa prise de sang. Attends. Allez, petit papier. Monsieur Maurice Permeco, apte au saut parachute. Voilà, 28 tuyaux. Ça sert. Bisous, tout ce qui va avec. Voilà. Impeccable. Super. Ah, comme ça, je pourrai contacter S'il Der te plaît. Richter. Ouais, merci bien. Pour contacter Der Richter et puis faire un petit saut au parachute. Puis si ça dit de venir, Parfait, parfait. j'inviterai peut-être du Ah monde. non. Moi, les sports à risque, depuis que je suis marié, c'est fini. Ah ouais? D'ailleurs, il faut quand même que tu saches que il y a une certaine de devenir réanimé alors que tu as fait ce parachute. Bon, ça c'est le règlement, mais voilà. C'est un sport extrême, si on doit réanimer. Voilà. Et si c'est du Mont Chiliad, c'est encore plus cher. Voilà. Ok, oh, ok, oh bah je ferai attention. D'accord. Pas de Ok, problème, bien. pas de problème. Eh bah super, bah merci beaucoup Ivan du coup. Je t'en prie, je t'en prie.
Je fais de mon mieux, moi, toujours. Oui, bah tu le fais très bien. Oh là. Allez, Léo, c'est à ton tour. Au suivant. Qui veut se faire pomper? Ah, j'adore me faire pomper. Oui. Ah, oh, putain, mon père qui me casse. Le sang. Ah. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Bah tu sais, j'ai une cousine qui pompe jusqu'au bout, donc vous le... Ah, tes cousines, là, elles viennent quand en ville? Parce que... Et voilà. J'allais là-haut. Ouais, j'allais là-haut et je vais attendre. Attends, parce que ouais, le père, il veut manger, mais attends. C'est pas le temps de bouger, quoi. On va se planquer là. Ouais, on va attendre là. Je reviens du coup, vite fait. Ne bougez pas. Je vous laisse avec le... Avec le jeu. Je sais pas, attendez. Action... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tirement... Jouer de la musique, regarder sa carte. Triste. Non... Hein... Est-il... Non plus... Ah bah non, c'est faire quelque chose. On va regarder la carte. On va faire ça. Ah putain, c'est vrai que... On est obligé de laisser ça. Action. Du coup, je reviens vite fait. A tout de suite. Et Maurice, tu es Charles? Il n'y a pas de service d'étage ici, hein. Bah oui, il est Charles. Bah je crois aussi, hein. Il s'était caché. Ah, il voulait qu'on aille au bar après, mais... Là, il n'y a pas besoin de bar. Je crois qu'il est suffisamment... Je crois aussi, hein. Il fait une prière, là, tu vois. Je sais pas ce qu'il fait. In nomine pater et filii, spiritus sancti, amen. Il est en train de choisir son petit souvenir de la boutique, je pense. Ah, ça doit être ça. Certainement. On a aussi des menottes moumoutes, hein, si tu veux. Écoute... donne-lui en une paire, je pense qu'il en aura besoin avant moi. En fait, je les garde pour moi, Emma, mais c'est pas grave. Maurice! Ah bah non, faut pas les proposer. Le petit Maurice est attendu au centre d'accueil par sa maman. Ouais, bah écoute, je crois que. Ah, il est parti. Il est sur la moquette là. Il faudrait la moquette diriger vers l'est, là, vous le. Hey, Maurice, la mec, c'est par là. Il a pas l'air de... Ouais, d'être dans ses pensées, hein.
Il est perdu, hein. Là, je lui dis, il est perdu, hein. Ah, je crois aussi. Écoute. Mais non, moi, Bon. t'es en train de regarder la carte, vous Vous êtes voyez toujours pas? en grève, sinon? Bah écoute, tant que le patron, enfin le chef des services, il est pas là, le directeur, comme on dit, bah oui, c'est la grève, hein. Ouais. Vous l'avez pas encore là, ça fait déjà pas mal de temps que pas mal de jours que vous le faites, non? Bah c'est depuis jeudi. Bah ouais, ça fait déjà 4 jours. Bah écoute, grève ou finish, hein, on en a gros. On veut être considéré en tant que tel, hein. Ah, je comprends, ouais. Bon, mais bon, apparemment, ça peut pas bouger les choses, hein. Faut peut-être sortir les pancartes et faire grève devant le gouvernement. Ah bah écoute, tu as pas vu qui avec qui j'ai discuté juste avant là? Non, écoute, j'ai pas. C'est le gouverneur grec. Il est venu jusqu'ici pour me supplier de reprendre le service actif normal. J'ai réussi à le faire plier à ma botte comme ça. Ok. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Si 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 J'avais vu si. une personne cheveux bleus et un homme, mais je j'avais pas. J'avais pas pensé que c'était monsieur le gouverneur. Non, mais si, si, si. Ben, juste avant, j'étais en train de discuter avec lui sur le toit, comme ça, on a fait réunion au sommet. Voilà, Au je lui sommet de l'hôpital. Bah, ouais, je lui ai dit, une Ouais, réunion au bien sommet, sûr. ça se fait sur le toit. Donc, voilà. Ah, forcément. Donc, en tant que président du syndicat des employés du corps hospitalier, voilà, j'ai réussi à le faire plier. Eh ben, je n'attendais pas moins de toi, hein, mais bon. Et donc, ça y est, c'est bon? Ça a bougé un peu les choses là Ah ou... oui. Oui. Bon, cette semaine, on n'a toujours pas de subsides. Hein. À partir de la semaine prochaine, on récupère les subsides normaux. Voilà. Ok, super. Voilà. Il voulait faire restriction budgétaire. Moi, je lui ai dit, si c'est ça, c'est la grève générale. Général! Mais voilà. Bah écoute, moi en tout cas, je t'applaudis, hein, parce que là, Oh, moi bah écoute, je dis que hein. c'est bien ce que tu fais. Moi, je me bats pour les collègues. Hein. Pour les gens et pour les citoyens. Ah, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire, hein. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Non, il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est Ouais, vraiment parti je là. crois Hein. qu'on l'a perdu, hein. Carrément. Hé, Maurice. Maurice, on m'a dit qu'il y avait de la bière. Mais papa, mais... Ouais, justement. Ah non, 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 attends, attends, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, attends. Hey, Maurice! Hey, Maurice, je crois qu'il y a du champagne là-bas. Ah, parce qu'il voulait boire du champagne là dernièrement. Non, mais on a pas marre de la bière, je crois. Moi je dis, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, faut déjà. Oh, putain. Pas Oui, bah possible. désolé, je t'en ai pensé. Je regardais un petit peu, j'étudie la map, la carte. Oh, c'est bon. Ouais, non, mais justement, on se disait que maintenant t'as fait le tour de la carte et que tu pouvais acheter un petit souvenir. Non. 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 Comment ça, non? Non, je préfère autant lui Eh, donner c'est Ivan qui directif. va pas être content, hein. Attends, attends, attends. La quoi? Attends, je lève la main Voilà, comme ça, je préfère je vais autant faire peut-être ça, récupérer le. voilà, que d'acheter un truc là-dedans. Ben, sache que, en tant que président du syndicat du corps hospitalier de Los Santos, eh ben, je te remercie parce que ce don va aller directement dans la caisse du syndicat. Et bah voilà. Je préfère faire un don que d'acheter un truc Je te remercie. qui sert à rien et si vous savez un rendement moins bon. Un truc de merde, non mais dis-le, dis-le, un truc de Oui, merde. oui, oui. Non mais je te jure, vraiment. Ah. Vraiment. Le super-héros, je suis sûr qu'il t'aurait plu. Avec Non, 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 ton non, petit pansement magique non. Iron Man, je sais pas Je quoi. l'achèterai le jour où Ivan il aura un gosse et que comme ça je lui donnerai. Ah. Et d'ailleurs, vous n'avez pas encore vu la nouvelle super voiture de Yvonne. Non. C'est T'es le venu mini comment là? bâton. En voiture, ouais. T'es venu comment là? En voiture. Il y a quatre places là-dedans? Oui.
Ah bah tu m'emmènes jusqu'au garage, je vais vous le montrer. On y va. Allez, c'est parti. Ouais, c'est que après comme ça, je connais bien Lille. Comme ça, je connais bien Lille. C'est ton bolide, ça? Hein? Ah non, non, c'est... C'est ton bolide, toi, ça? Je sais pas sur le parking. Non, non, je me suis mis sur le parking derrière. Non, parce que à chaque fois que je me gare là-bas, là, je me fais emboutir la bagnole, donc... À un moment... Oui, mais c'est là qu'il faut garer, en fait, officiellement. Moi je me gare là, ah, non, hein, non. Tranquille. La seule fois où je me suis garé là, ils ont voulu l'emmener en fourrière. Oh. Là devant tu oublies, d'accord? C'est là le parking. Je m'étais garé là, ils ont voulu l'emmener en fourrière. C'est toujours. Alors, je me gare plus là. Ouais, mais là tu oublies, là c'est le garage, là c'est réservé à la sortie du véhicule. Ah non, mais. Là-bas, en face de la porte. Non, c'est à côté des poubelles qu'il faut faire. Là, dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Je me suis garé là et ils m'ont dit ah non, non, on se gare pas ici, c'est réservé aux EMS. Non, on fait pas ça. Ok. T'étais mal garé. On t'est garé où alors? Ah, du coup, un peu plus bas. D'accord. Ah, y'a un garage juste en bas. Dites-moi, j'ai une petite question quand même à vous poser. Vas-y. Vas-y. On a un citoyen qui est arrivé qui est un petit peu en détresse pour l'instant. Comment dire? Il est un petit peu particulier. Non, non, mais attends que je t'explique. Vas-y, dis. Un peu particulier, comment ça? Oui. Il est autiste, en fait, je pense. Ah. Ah. Ah, le pauvre. Ah, c'est pas simple. Bah, heureusement que t'es là et il a besoin de toi. Ouais, heureusement que t'es là. Quoi. Ivan? Attendez. Vous pouvez mettre... de ce que je suis à radio. Ah, ok. Oui, ok. Ouais. Eh ben, tu t'es occupé de lui 5 minutes autant que j'arrive? Ouais, ça me dérange pas, moi. Si on peut l'emmener faire je un suis à tour... Je l'hôpital, mais j'allais montrer ma voiture avec des personnes, mais c'est pas grave. Ouais, s'il est autiste... Si on peut l'emmener faire un tour, c'est plus... le pauvre... Pas de soucis, hein. Ah, ça me dérange pas. Hein. Ouais, non, c'est pas triste, ça. D'accord, mais bon. Non, mais c'est pas ça. Un visiteur, une maman. On cherche, mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de tueur, etc. Et qu'on cherche une solution avec le gouverneur pour le sociabiliser, vous voyez? Ouais. Eh, d'accord. Et alors, on pensait peut-être proposer une entreprise qui permet d'avoir le travail en binôme, de le prendre, vous voyez? Donc, vous, qu'est-ce que vous en penseriez d'avoir quelqu'un qui est à travailler comme ça? Moi, ça me dérange pas. Après, faudra s'il veut parler. Bien. Moi, je suis là toute la semaine, donc au pire, ça me dérange pas de l'emmener avec moi. Hein. Allez-y, montez. Ah, faudrait voir avec un patron, avec ce bel mot. Parce que pour l'instant, il est très attaché à quelqu'un de la ferme. Qu'on a proposé aussi que la ferme en occupe. Voilà, on avait pensé soit la ferme, soit la LMB. Et vu que je connais très bien l'ambiance de la LMB, j'ai proposé peut-être LMB, quoi, tu vois. Ouais, faire de la bière, voilà. Moi, je te dis, ça me dérange pas. Après, faut juste pas que quelqu'un le force à boire ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est chaud quand même. Ah ouais, non. Là, on le force pas à boire, lui. Sinon, c'est moi qui frappe. Hein. Ah bah oui. Ouais. Hop, voilà, on est arrivé. Ma voiture sur le côté. Ah oh, putain. Ah. Ah non, ça me dérange pas. Allez-y, montre-nous ta super voiture. Attention, vous êtes prêts, hein? Vas-y. Oh c'est putain. Ah, il est génial. Il est génial, noir et rouge. Putain. Tadam! Ah putain, avec le noir mat. Attends, c'est un rouge. C'est un rouge méta, ça? Ou classique?
C'est rouge métallisé, lave, ouais, avec un petit nacrage orange dessus. Ouais, comme ça, c'est vachement lave. Puis le noir mat, putain. Faites gaffe, il y a un mec là-bas qui prenait les photos. Ouais, oh, c'est bon. Putain, il claque. Oh, un minivan. Il claque. Alors, il est pas beau, mon minivan. Hein, et le minivan de Ivan. Et il est classe, ton surfeur. Quoi. Putain. Ah ouais. Oh, là, t'as même mis la plaque noire et... un appartement. Tu t'achètes un minivan et voilà. Ouais, mais bon, avec sa femme... Et par contre... Avec la femme, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un petit chez-soi, quoi. Bah, écoute... j'ai déjà le petit chez-moi. Ah, nice. Nice, nice, nice. Quoi, t'as un appart ici? Ah, je crois que... Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà, radio. Ah d'accord. Il a demandé si t'avais déjà un appart ici. Ah bah attends, non mais pas de problème, moi je... Ah bravo, bravo, eh bah bravo, bien, 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 bien. Félicitations. Est-ce que... Oui. Regarde. Ah! Ah oui! Eh ben putain. Ah, tu peux. Ah, t'as même les diplômes de moi, justice? Je te montre pas. Ah oui! Putain, tu pourrais. Putain, je. Ah, ça c'est bon ça. Bon, ah, mais il est tout beau ton mec. Tu peux me redéposer à l'hôpital s'il vous plaît? Je suis appelé à l'hôpital. Ouais, je te redépose. Ah bon, je te redépose. Oh, merci! Allez, merci! Vas-y. Allez, c'est parti. Ah, parfait. Bah oui, j'ai ma petite maison maintenant. Ouais, c'est même pas un appartement, c'est une maison. Hein. Ouais, ouais, bah oui. J'imagine bien. De toute façon, c'est mieux pour toi et ta femme, c'est quand même mieux que vous ayez un petit chez vous, quoi. Et pour le petit Ivan aussi, hein. Oui, pour le petit Ivan, quand il arrivera. Bon bah allez. Voilà, tout à fait. Bon bah allez, bonne chance Ivan. Bon merci courage. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez, salut. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on va repasser du coup voir on va passer boire au bar, vite fait. Bah le bar est ouvert, tu veux pas passer au dépanneur avant? C'est dans l'autre sens. T'as un peu une fenêtre arrière de. Ouais, c'est pas. C'est surtout l'avant qui importe le speed. Ah bon. On va faire réparer, ah, laver. Pousser, on sera mieux. L'arrière, c'est le plus important hein, pour le prise de plaque. Bah, l'avant, je vois que t'en as une aussi, mais. Il est ouvert le bar ou pas? Ah oui, on a vu une annonce du gouvernement quand on était à l'hosto. Ah, je sais pas. Je... Bah, si vous avez chaud, venez vous désaltérer au bar. Ah, oui. Ah bon. On va y passer après. Ah, lui, je l'ai. Ah oh, putain, le suppôt à camion. Suppôt de Satan. Ah, super. Et on est bon. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Ah, eh, bonjour. Mademoiselle Goël. Eh, c'est ça. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Bonjour. La madame qui était là avant. Moi c'est pour une peinture donc. Ah. Bah du coup. Allez moi du coup. Je bah, fais la peinture après. Ah, j'ai sorti la voiture et puis vitre arrière qui est pété. Donc. T'as une idée des peintures de la voiture? Ok. Non, je vais renvoyer les stickers, c'est tout ça. Merci beaucoup.
Non mais sur la mienne, parce que toi tu, je sais pas si tu peux la prendre. Eh bonjour monsieur. Bonjour madame. Tu veux un journaux? Ouais bah allez, je vous en prends un. Oui, je vends des journaux. C'est mon vélo, il est gris. Je dois le rendre parce qu'il est pas à moi quand j'ai fini de travailler. Ah c'est une location. Oui. Ouais bah impeccable. Ça fait faire un peu de sport. Oui. Tiens madame, voilà ton journaux. Eh merci il faut beaucoup. Me donner la mollet, un bonbon et une brique de lait. Ah attendez, j'ai même mieux que ça. Oui. Eh tiens, hop. Merci madame. Puis t'as besoin de quelque chose à manger ou pas? Oui. Voilà, tiens. T'as des bonbons? Ouais, j'ai pas de bonbons, mais j'ai un jus d'orange, tiens. Merci madame. Tiens. Merci. Comme ça. T'es gentil madame. Comment tu t'appelles madame? Moi c'est Maurice. Et toi, c'est quoi? Merci madame Maurice. C'est quoi ton... Moi, je m'appelle Paul Light. Paul Light? Eh ben, enchanté. Oui. Oui. Bah, si t'as besoin, n'hésite pas. T'es là tous les jours ou pas? Oui, je vends des journaux. Ah bah... Bonjour madame, tu veux un journaux? Ouais, donne-moi un journal, ouais. Oui. Tu veux voir des journaux? C'est un journal d'aujourd'hui ou? Oui. Ah ouais, c'est le journal d'aujourd'hui. Ouais. Bien madame, voilà ton. Ah super. Enfin, ah mais impeccable. D'aujourd'hui oui mais il est pas de cette année le journal. Oui. Il me faut la monnaie, quoi, un bonbon oui. Et une brique de lait. Ah. Je vous dois combien? J'ai pas. Je vais vérifier ça de suite. D'accord, c'est une berline. Ouais. On est sur la vitre. Alors, pour une berline, on va être sur. 50%. J'ai pas compris, vous avez un peu de bruit. Ah ouais, sur du $500. Ok, et eh ben c'est parti. C'est parti. Hop. Et voilà, c'est payé. Impeccable. Quel c'est monsieur. Permeco. Dit chose, mais... Permeco. Permeco. Nickel, c'est noté. Eh ben merci beaucoup. Merci monsieur Permeco. Oh bah. Je vous en un prie. Un plaisir. Je vais juste aller voir le monsieur là-bas. Allez, passez une bonne. Merci à vous aussi, au revoir. Il est pas à moi. Ok. Bah écoute, pas de soucis. Bah écoute, si j'ai besoin de journaux, je te demande. Hein. Oui. Elle est où la monnaie, les bonbons et la brique de lait? Ah, attends, j'ai. Tu veux. Tiens, t'as des bonbons sur toi? C'est bon, je vais lui donner la monnaie. Merci, madame. Merci madame. T'es une gentille madame. Ouais, c'est normal. C'est monsieur par contre. Tout travail mérite salaire. Oh, t'inquiète pas. Tout travail mérite salaire donc. Oui. Ouais, il travaille. En plus, il est gentil donc. Ouais, on peut aider un petit peu. Oui, ma maman a dit que je suis gentil. Eh ben, elle a raison. Et ta maman, elle est là? Elle est en ville? Oui. C'est qui ta maman? Elle s'appelle Jocelyne. Quand mes papas y venaient à la maison, ils disaient « On vient secouer la grosse Jocelyne. » D'accord. Ah. Ok. Ok. Oui. Enfin. Ah, parce que je connais Ginette, mais je connais pas Jocelyne. Ah, mais... Bonjour. C'est... Il y en a plus une qui s'appelle Ginette ou Jocelyne, hein, donc... Oui. Oui. Bon bah écoutez... Elle est là? Elle est en vie, ta maman, ou... Oui. Ah bah moi je le vois en place. Bon, c'est... Non mais c'est pas grave. Attention à vous. Olé. Oui. Attention, mon petit. On s'est écrasé.
Voilà, mais c'est un défilé ici. Ouais, y a du monde. Oh là 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 là. Et tu t'appelles comment, mon petit? Je m'appelle Paul Light et je suis pas petit, je suis un grand. J'ai 35 ans. Ah oui, quand même. Tu as quel âge? Oui, 35 ans, je suis un grand. Tu fais jeune, hein? Ah oui, d'accord, ouais. Tu fais plus jeune que ça. Ah, tu fais jeune, ouais. Maman a dit que je suis le plus. Eh ben, t'as une gentille maman. Profites-en. Oui. Elle est très gentille, ma maman. Elle est très forte. Les dames du centre ont dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Ah. Comment ça, plus pour longtemps? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Ok. Donc, ils se menottent entre eux, les Speedy, ils font la chenille. D'accord. Ah, écoute, chacun son truc, hein. Regarde, lui, là, il était méchant, il a été mis au coin. Des menottes mou. Il était méchant, il a été mis au coin. Mais des papas, il y a des papas, des fois, ben, ils faisaient ça aussi. Avec ma maman. Oui. Ah, si elle était méchante. Certains qui. Non, elle est gentille. Ouais. Ma maman. Non, mais c'est sa maman, elle peut être que gentille, attends. Oui, elle travaillait beaucoup pour que je puisse aller au centre. Ah, bah. Au centre. Gentille maman. Au centre aéré? Oui. Tous les jours, ma maman, elle vient à 18h. Mais là, elle est très en retard. Les dames au centre, elle en avait pour longtemps. Elle s'appelle comment déjà ta maman? Jocelyne. Jocelyne. D'accord. J'essaie de savoir où elle est. Pour lui dire comme quoi elle a un gentil fiston. Oui, je suis gentil. Bah oui. Maman, elle a dit que j'étais très gentil et que j'étais plus intelligent que ceux qui disent que je suis bête. Bah... Ah mais t'as pas l'air d'être bête. Bah non, y'a pas l'air. Attends, tu travailles. Oui, y a un méchant monsieur tout à l'heure. Il a dit que j'avais pas une lumière, que j'étais bête. Ouais, après, les lumières, chez certains, elles sont pas à tous les étages. Hein, donc, Oui. Ceux qui disent ça, ils l'ont pas au bon endroit. Oui, en plus, il avait pas de main. Il avait une main, il en avait pas. Ah! Il avait une main? Il avait une main ou il en avait pas? Là, il en avait une, et là, il en avait pas. Tu me vois plus? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Il l'a mis dans sa manche, non? Non, je l'ai vu avec Madame Yvonne à l'hôpital. Et ben, il avait pas de main quand on est sorti. Ah bah c'était... Ah, c'était Chuck peut-être, non? Ouais, c'était Chuck. Avec une main en métal. Oui. Mais Ivan, tu le connais? Oui, Madame Yvonne, elle est très gentille. Elle m'a appelé tout à l'heure pour que j'aille voir un chien. Il était beau, le chien. Maurice, ouais. Je crois que c'est la personne dont Ivan nous a parlé. Ouais, c'est bien ce que je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais, bah qu'est-ce que... Il faudrait en parler au patron, ouais. Mais... Faut qu'on en parle au patron. Bah après, à voir si tu veux passer une semaine avec lui, mais bon, ça c'est... Il y a que toi qui vois. Bon, il est gentil, ça me dérangerait pas. Ouais, il est gentil, ouais. Oui, il est gentil. Oui, maman a dit que je suis le plus gentil des fistons. C'est certainement. Non mais je... Oui. J'en suis sûr. Bah du coup, Ivan, il a ton numéro. Toi, madame, comment tu t'appelles? Et là, tu travailles ou tu... Oui, je vends des journaux. Attendez, parce que là, petit souci.
de type audio. Vélo. Et il y a quelqu'un qui t'aide pour toutes tes démarches administratives, pour ta maman, pour... Oui. Oui. Et il s'appelle comment? Oui. Non, le monsieur qui t'aide. Tu sais pas comment il s'appelle? Ou la dame. C'est une série. Oui. Un série, on va avoir besoin de toi. Tu joues à Snake? Non, je joue pas trop à Snake. Non, j'ai pas... Non. Non, non. Moi, je joue à Snake. Mon record, c'est 3200. Ah oui. 3200. Attends. Ok. Oui. Attends, okay. Sur le nom, c'est possible. Ma maman dit que plus intelligent que ceux qui disent que c'est plus bête. Non, c'est pas possible. Attends. Mais sur le nôtre, c'est mon record, c'est 39. C'était sur quoi que tu l'as fait ton record? Parce que sur les téléphones, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Le jeu, il s'arrête à 3200. Bah, je savais pas. Ah ouais. Oui. bravo, c'est ton record. Oui, le serpent, il doit manger les pommes et sans manger sa queue. Allô, oui. Putain. Attendez, je corse ce bug. Vu ta maman aujourd'hui? Oui. Et t'as vu où? Tu as téléphoné peut-être à Madame Ivan? Madame. Et tu l'as pris en photo? Oui. C'est pas possible. Pourquoi il plante comme ça le voice meter? Bout de bois, Madame Yvonne, il vient de lancer le bout de bois. Et la chienne, elle me l'a ramené. Eh bah, impeccable. Il a l'air très mignon ce chien. Ouais, il a l'air très mignon ce chien. Bah oui, tout mignon. Regarde-le. Oui, il était mignon. Attends, c'est quoi la photo qui est après là? C'est un canard? C'est le cochon noir et blanc. Non, c'est un cochon noir et blanc et il s'appelle Madame Riggs. Madame Riggs? Oui. C'est un drôle de prénom pour un cochon. Oui, il est triste, il est tout seul, Madame Riggs. D'accord. Bah pourquoi il est tout seul? Oui. Il est triste. C'est Madame Valentina qui m'a dit qu'il était triste. Madame Valentina. D'accord. Ah, je... Je connais pas. Je connais pas, je... Non, je... Oui. Elle travaille où, Madame Valentina? Oui, elle donne des sucettes. Elle donne des sucettes. Elle travaille avec Madame Yvonne. Ah, l'hôpital! Oui, elle m'a donné, parce que j'étais malade, elle m'a donné des comprimés. Elle est gentille. Oui. Mais t'as le numéro tu as mangé à boire? Ouais, je lui ai donné. Tu as donné, ok. Ouais, j'en ai. T'as le numéro de Madame Yvonne? Oui, Madame Yvonne. Yvonne. Très gentille, j'ai son numéro. C'est okay. Le 555-19-30. Ok, non mais je connais Ivan, t'inquiète pas. Oui. Ok. Bon bah, on se reverra peut-être, du coup, Paul. Oui. Ça te dérange pas? Là, tu... C'est Paul, hein, c'est ça? Oui. C'est Paul Light. Paul Light, d'accord, ok. Et oui. Et toi, comment tu t'appelles, madame? Donne-moi ton numéro, je vais... Si t'as besoin de quelque chose, tu pourras m'appeler ou je pourrais t'appeler. Oui,
C'est le 62-61. C'est ma Mélina qui m'a dit. Oh, un pistolet. Il est beau, ton pistolet. Je peux avoir un pistolet? Oh là là, il est beau, le pistolet. C'est dangereux, les pistolets. C'est pour les... Oui. C'est un pistolet. C'est un pistolet parce qu'il fait chaud. Oui. C'est un jouet. Je peux avoir un jouet? Je pourrais te prêter mon jouet, mais là, pour l'instant, il est attaché à ma ceinture. Donc c'est 555-62-61 ton numéro, Paul, c'est ça? Oui, c'est Madame Elina qui me l'a dit. Elle est gentille, Madame Elina. Elle va essayer de me trouver des bonbons. Ah, oh, elle est gentille. Bah, on va essayer de t'en trouver aussi. Si on arrive à en trouver, on t'en donnera. Oui. Oui, j'aime bien les bonbons. Eh ben, super. T'aimes bien le jus d'orange? Oui, oui, j'aime bien le jus d'orange. J'aime bien le Bull Shark aussi. Ah, les sodas. C'est bon, ça, les sodas. Ah, c'est sucré, oui. Hein, faire attention. Il y a du sucre, mais il faut pas trop en prendre. C'est pas bon, après, dit maman. Ah bah oui, parce qu'après, ça peut faire grossir. Je reviens. Après, je tu vas moins vite... Tu vas moins vite sur ton vélo, après, donc, bon. Je cours très vite. Ma maman m'a dit que je pouvais faire le tour du monde en courant. Je cours très vite. Eh bah, tu veux que je te montre? Je te montre. Regarde. Eh bah, allez, vas-y. Allez, hop. Tac. Ah, il est pas méchant, son personnage. Il est vraiment pas méchant. Il est attachant comme tout. Ah bah, je cours très vite. Ah je ouais, suis pas ouais. fatigué. Je peux encore courir. Et bah, ça, c'est parce que ta maman, elle t'a pas fait prendre de soda quand t'étais petit. Ou pas beaucoup. Oui. Donc, si tu continues comme ça, bah, tu pourrais faire des compétitions. Oui. Je cours très vite. Ma maman, elle dit que je pourrais faire le tour du monde en courant. Eh ben, j'en doute pas. Bon bah, écoute Paul, je vais te laisser. Merci encore pour le journal, du coup. Oui. Et si jamais t'as besoin, t'hésites pas, tu préviens Madame Yvonne et elle nous préviendra, d'accord? Oui, oui. Merci Madame. Au revoir Madame. On va aller passer une bonne journée, Paul. À bientôt. Oui, merci. Oui. Oh, attachant comme tout. Je sais pas s'il y en a chez Ginette. J'ai pas vu le bonbon chez Ginette. Après, je ferais pas confiance. Eh mais bien, bon. Bonjour. Non, bonjour, mais bon, monsieur. Après, c'est Ah, et c'est pas monsieur Beaumont. T'es un enfant. Oh merde, putain, et vous lui ressemblez. Plus que le chapeau, vous lui ressemblez. Non, non, c'est pas. C'est non. pire. Oula. C'est ouais. pas. Je sais pas. Ah, Paul, il où comment tu vas? Il est où le chapeau? Ah, j'ai pas de chapeau. J'ai pas de chapeau. Allez-y. C'est presque, franchement, l'invitation est presque parfaite. Ah, je vais y penser. Je vais y penser. Bon, vous allez bien? Bon, et nous, ouais, ça va très bien. Bon, nous, on va aller retourner travailler, hein? On va aller finir notre petite. Oui. Ouais. Après. Et après, bim, acheter une voiture. Allez, hein. Ah. Et après, ouais. une voiture. Ah, bientôt. Non, bonne, ça, c'est mon camion. Journée, bon, ouais, nous, on y va du coup. Donc, Maurice, pour. Ouais. Pour. Paul? Ouais. C'est bon, t'as vu. Mais bonjour. J'ai pas bien noté son numéro, tu l'as hein? 62-61, je l'ai. Ah. Eh, bonjour. Comment ça va, Maurice? Bah, ça va très bien, et toi, Gustave? Bon, ça va bien, ça va bien. Dis-moi. Bonjour. On a T'es où? Bonjour. Peut-être te dire un bonjour. Truc. Attendez. Ouais, je suis près du dépôt. Vous me dites? Ok. On arrive avec Léo. Faut qu'on discute un peu d'un ou deux trucs. Ok. Ah merci. Oh là là. Du coup, monsieur, il a besoin de réparation. Eh bien, ah, bon. Pour une crèche, pour une. C'est bon, moi. Oui. Ouais, il faut l'aider. Peut-être aller voir les médecins. Ils ont peut-être plus de solutions que nous. Pour une crèche, j'ai pas l'impression. Je vais aller voir Ginette s'il n'y a pas des bonbons là-bas. Ok, très bien.
Ah, on ira voir au dépôt. Ouais, merci à vous. On ira voir au dépôt. Ouais, merci à vous. Et passez une bonne journée, monsieur l'agent. C'est la vôtre. Très belle voiture. Ouais, apparemment. Je sers très très belle voiture. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Ouais, apparemment. Hop, bonne journée. T'es sûr qu'elle a lui la gesteur? Pourquoi elle sonne comme ça? Je sais pas. Je préfère pas demander. Il y a Gustave en ville, du coup on va aller voir Gustave. Lui en parler. Ah salut Gustave. Salut Gustave. Mais salut Léo. Tu vas bien? Tu vas bien? Impeccable, impeccable. Ça va mieux. Dis-moi, par hasard, tu t'aurais pas du lait? Non. Arrête-moi chez Ginette à gauche, s'il te plaît. Ah, on y va. Merci. Et on va lui en parler en direct, il est au départ. Ah, si tu. Ouais, je vais. Allez, vas-y. Je vais en profiter pour faire le plein. Merci. Au pire, on a du chocolat au dépôt. Ouais. Ah, ça peut être une bonne idée. Ok. Bon, on a vu Paul Light, donc le nouveau personnage, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, le nouveau personnage de Feiny. Hop. Allez, vas-y. Ah non, c'est fermé. Vas-y. Ok. Non, j'ai pas trouvé de chocolat, ni de bonbons, ni de miel. Non, c'est pas grave. De toute façon, je lui ai dit que si jamais il avait besoin, il contactait Yvonne et Yvonne nous contacterait. Putain, du coup, Yvonne lui. Ouais, je pense que c'est lui le petit gars. Par contre, j'ai l'impression qu'il répond oui aux questions sans savoir pourquoi. Bah, c'est un peu le problème Faudra faire attention à. C'est le problème des outils. Bah, en fait, c'est quelqu'un de très dépendant, donc faut pas le mettre avec quelqu'un qui va faire de la merde. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça, si je suis là dans l'avoir 10 minutes et l'avoir une semaine. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. Ouais, non, mais ça va être compliqué une semaine, mais... Je crois que t'as fait un doigt. Hein? Je sais pas, mais je crois que t'as fait un doigt, le pécor. Ouais, je m'en fous. il me fait trop chier, je mets une balle, et puis c'est bon. Hein? D'accord. Ouais, corps placé comme un gad, corps placé comme un cul, ce truc. Ouais, on est. Ouais, pec. Voilà. Hop, bonjour à toutes et tous au passage. Ouais, je vous ai vu, hein, vous en faites pas. Là, je vais juste me prendre de quoi manger. Et boire. Hop. Et allez, bonjour. Yo. Allez, j'en ai profité pour prendre un truc à manger, à boire. Du coup, Gustave. Code 9, Gustave. Il parle à ma place. Oh, vieux.
Ouais, du coup. Oui, Doc. Ouais, du coup, Gustave, on va en parler aussi avec Victor. Ivan nous a raconté comme quoi il y avait un petit gars, pas beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs, autiste en ville. Mmh. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Ouais, et il nous demandait si on n'avait pas possibilité de s'occuper un peu de lui parce que voilà, c'est quelqu'un de très dépendant, donc et on l'a vu chez les dépanneurs, je crois. Paul Light, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Paul Light. Ouais, elle s'occupait de lui. T'as pas l'air trop. Enfin. Ivan dit qu'en gros, vu qu'on a une ambiance familiale à la LMB, il risquerait pas grand chose, quoi. Ce qui est pas faux. Ah ouais. Ah bon, après. Elle s'en occupait. Ouais. Après, c'est compliqué, c'est sûr. Bon. Faut lui apprendre à. Pourquoi faut faire la nounou. Faut essayer. Ah bah, il faut faire la nounou, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Il faut essayer de lui apprendre à être un peu plus indépendant, quoi. Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Uh-huh. En tout cas, ça a l'air. Parce que il demande à Léo son pistolet. Je suis pas sûr qu'il sache à quoi sert un pistolet. Ah, j'ai dû lui dire que c'était un pistolet haut, je sais pas quoi, mais bon. Ça risque d'être compliqué avec le travail, je pense. Hein. Ouais. Ou alors, sinon, faut aider quelqu'un pour. Mais bon. Ah ouais. Après, on n'est pas centre de garderie. Ouais, ouais. Ah, je suis d'accord. On est d'accord, mais bon. En plus, comme je disais hier à Victor, ouais, je suis pas là pendant 2 semaines, moi, donc. C'est vous qui allez devoir vous en occuper, hein, pas moi. Ouais. Et j'avoue que là, je vais m'absenter pendant. Il a bonne semaine aussi, donc. Ok, ah, voilà. Donc j'ai compris, donc, je suis tout seul, quoi. Ah, ok. Ouais, ça va être un peu ça, ouais. Ah, je vais être présent, pas suffisamment pour m'occuper de quelqu'un. Quoi. Ah non, mais je vais pas être non plus présent tout le temps, hein, mais. Si jamais il est en ville, pouvoir le faire bouger autrement, lui apprendre un peu à se démerder tout seul, quoi. Parce que là, à l'heure actuelle, si quelqu'un. Là, vraiment, de ce que j'ai compris, tu lui donnes n'importe quoi, il va jouer avec. Hein. Un pistolet ou autre. Donc bon. Ah. Ah, c'est le problème de l'autisme, quoi. Ouais. Ouais, donc après, ouais, je comprends. Faut savoir si on peut bosser ou pas. Enfin, c'est faut voir avec Ivan, quoi. Pour revoir avec Ivan, discuter. Il y a peut-être travailler. Est-ce qu'il faut travailler avec lui, j'imagine, où pour ouais, je pense lui, que. Parce qu'il peut pas travailler tout seul. Ah ouais. Ah. Ok, il travaille avec lui. Moi, ça me dérange pas, je fous. Hein. Est-ce qu'il passe avec lui? Bon, bah, ouais, ça va être un peu juste aussi. Il a coupé des visites de tournée par deux. Puis il a coupé de main, normal. Hein. Ah, faut voir, faut. Parce qu'il a peut-être besoin d'argent, je sais pas s'il a besoin de pognon ou autre. Ah, mais... je pense que oui, il va en avoir besoin, parce que là, il vend des journaux, alors. Il va pas aller loin avec ça, quoi. Ah, ouais, je suis tombé dessus tout à l'heure. D'ailleurs, il confond tout le monde, enfin, il prend tout le monde pour des madames. Pas ouais. Ouais. Bah, c'est ça. À mon avis. Je crois que en plus. Ouais, c'est compliqué. Je crois qu'en plus, le. Je crois qu'il a perdu sa maman là récemment, ou. Oui, il va la perdre, je sais plus trop. Ok, hein, ouais. Personnellement, ça me dérange pas. Par contre, je me porte pas garant pour m'occuper de lui, quoi. Non, mais après, faut voir avec Ivan comment ça se passe, parce que c'est lui qui nous a proposé, donc. Faut voir avec Ivan. Bah, il est pas méchant. Ouais, faut voir avec lui. Il est pas méchant. Ouais, j'avoue un message à Ivan, va voir. Compliqué, quoi. Du coup, ouais, il faut que je regarde. Non, c'est pas une personne méchante, mais bon. Stockage, on va regarder s'il n'y en a pas des bonbons. Boîte de chocolat. Ouais, boîte de chocolat, ouais.
Ouais, on a pas de bonbons ici. Hein. Oh, des chocolats. Il prenait les chocolats tout à l'heure. Récupérer du chocolat. Ouais, bah, ouais, on va refiler du chocolat. Ça peut aider le gamin. Du coup, je vais aller voir si le bar est ouvert. Il y a quand même ce. Il faudrait qu'on y aille parce que depuis tout à l'heure, on dit on va y aller, Ouais, ouais, bah. Toujours pas été. Ivan est au bar, à part. Donc, ça tombe bien. On va aller au bar. Ah, bah ça. Ça tombe bien. Attache.